Bonjour tout le monde, bonjour Semadi. Bien. Alors, quelques mots à propos de ce fameux générateur d'eau. Alors, j'ai eu beaucoup de messages, de commentaires, certains enthousiastes, d'autres moins enthousiastes, d'autres franchement désagréables. Enfin, cela, heureusement, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, tout d'abord, avant d'entamer les tirages, je tiens à préciser une fois pour toutes que je ne fais pas ou je n'ai pas fait de partenariat avec la personne qui va s'occuper de la commercialisation des produits. Donc, je ne touche absolument rien. Hein. Chaque produit vendu me ramène exactement zéro. D'accord ? Donc, j'ai fait cette vidéo en investissant du temps, de l'énergie pour rendre service à vous et puis à la personne, bien sûr, qui m'a livré le générateur d'eau que j'ai acheté son prix. Je tiens vraiment à préciser les choses parce que franchement, me faire passer pour ce que je ne suis pas, ça m'a vraiment beaucoup blessée. Voilà. Si j'avais fait un partenariat de produit, je vous l'aurais dit. Hein, bon, j'ai pas fait. Point. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour vous présenter une solution qui, à mon sens, est vraiment très très bien. Après, les questions de prix, ça regarde chacun. Moi, je ne m'en mêle pas. Vous prenez un crédit ou vous achetez pas le produit, vous demandez des paiements échelonnés. Franchement, là, c'est à chacun son libre arbitre. Moi, je n'ai pas à m'en mêler. Je vous ai présenté le produit parce que, encore une fois, je sais que moi, personnellement, j'ai cherché pendant des mois et des mois et j'avais regardé plein d'alternatives qui étaient trop compliquées ou trop chères. Oui, il y a beaucoup plus cher que ça. Et bon, qui était pas vraiment approprié pour moi. Bien, voilà, donc je referme la parenthèse, mais je tenais vraiment à vous le dire, hein, je ne reçois rien. Voilà. À part ça, pourquoi je pense qu'il y a un problème de l'eau? Parce que j'ai cherché sur le net et que l'eau, elle devient de plus en plus polluée, point, c'est tout. Donc on ne sait pas ce qu'on boit, et ça je vous l'ai dit dans la vidéo. Donc pour aller s'empoisonner, moi j'ai pas trop envie. Hein. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Et puis si vous êtes sûr que votre eau, elle est vraiment parfaite, bien je vous en prie, surtout continuez, hein, y a pas de souci. Hein. Mais moi, sachez que ils ont coupé le gaz, ils ont coupé l'électricité. Enfin, quand je dis coupé, enfin ils ont réduit. Hein. Après, le prochain, c'est l'eau, quoi. Bon. Voilà, je referme la parenthèse, je tenais vraiment à vous préciser, parce que je n'aime pas passer pour ce que je ne suis pas. Et moi, j'aide aider mon prochain, alors que certaines personnes ne comprennent pas cela, c'est peut-être parce qu'elles-mêmes ne sont pas dans cette démarche-là. Bon, bien, bien, excusez-moi. Hein. Mais bon, il faut peut-être mettre les choses au point. Ok, alors, j'ai acheté l'oracle de Amandine. C'est vrai qu'il me titillait déjà depuis, on va dire, un certain temps. Donc, vous voyez, je suis en train de battre les cartes. Je vais vous faire un tirage aujourd'hui par rapport à quelque chose que je n'ai jamais demandé, en fait. C'est qu'est-ce qu'on nous cache? Ah, bah voilà, qu'est-ce qu'on nous cache? Bon, alors, étant donné que ce jeu a été mis au point par une médium, bah, je me disais que c'était peut-être une bonne façon de, justement, comme c'est un jeu médiumnique, je viens de poser la question au jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous cache en France, hein, évidemment, puisque c'est d'abord la France. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Vous savez de qui je parle, hein? Alors, le commerce et les études. Alors, il y a des choses par rapport au commerce qu'on nous cache et par rapport... Alors, études, formation, moi, je ne sais pas pourquoi je pensais aux écoles, hein, aussi. Donc, il y aurait ces deux domaines-là. Bon. Alors, des choses au niveau du commerce, des choses au niveau, alors, études, formation, voire école, apprentissage. Bon, on va faire... On va faire une ligne, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous cache? Alors, chagrin, séparation. Donc, déjà, ce qu'on nous cache, déjà, ça nous provoquerait, on va dire, si on le savait, on va parler au conditionnel, du chagrin. Eh bien, décidément, ouais, oui, ben, ce qu'on nous cache, oui, on nous cache des choses, effectivement. On nous cache un déséquilibre, ok? Et on nous cache des choses par rapport aux enfants. Bon, des sujets intéressants, dites voir, hein. Alors, ce qu'on nous cache pourrait provoquer un chagrin, voire des désaccords, ou en tout cas, des divisions. On nous cache bien des choses, et on ne pourra pas les trouver par nous-mêmes. Ben, c'est pas pour ça que je fais ce tirage, hein. Bon, c'est pour essayer de savoir quand même. Il y a des choses qui sont à la limite d'être en rupture d'équilibre, et il y a des enfants. Alors, on va essayer de voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on nous cache? Parce
Parce que vous savez bien que on nous cache plein de choses. Évidemment. Alors, vol, agression. Bon, alors il y a des choses qu'on nous cache par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est les voleurs? C'est vrai que je ne vous ai pas fait de tirage sur la criminalité en France. C'est pas un sujet facile, je dois dire. Parce que ça peut encore provoquer des polémiques. Je n'ai pas trop envie. Mais je suis bien consciente du problème. Notamment en relation avec une certaine population. Bon, après, on ne peut pas trop en dire, vous le savez bien. Hein. Donc, je pense qu'il y a de ça. Hein. Ce qu'on nous cache, à mon avis, déjà, c'est les choses au niveau de la criminalité, il faut appeler les choses par leur nom, qui est peut-être beaucoup plus élevée qu'on veut bien nous le dire. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous cache? Oh, il y a des choses qui sont, on va dire, en dessous de la ceinture. Hein. Alors ça, j'ai écouté, évidemment, la vidéo de présentation de l'oracle par Amandine elle-même. Extrêmement intéressant, ce qui m'empêche de vous dire des bêtises aussi. Hein. Il veut bien quand même connaître ses cartes avant de faire des tirages. Alors ça, c'est des fesses. Bah oui, c'est le bas du corps. Donc sensualité, on va dire, c'est tout ce qui est sexuel. Donc secret par rapport à des choses comme ça. Ok? Bien. Ici, déséquilibre au niveau de la communication. Bah, je dirais que c'est là sur 100. Voilà, vous prenez dans l'autre sens. Donc on nous cache vraiment des informations et par le biais notamment de la sursang. Prenez dans le sens. Hein. Vous avez vu d'ailleurs la pauvre nana, on va éviter de dire son nom. Hein. Non seulement sa chaîne YouTube a été sabrée, donc vraiment supprimée, mais en plus on l'a fait passer pour une criminelle. Enfin, c'est grave quand même. Hein. C'est grave. Bon, enfin bref, j'espère la pauvre qu'elle va s'en sortir. Alors, ici, il y a des choses par rapport aux enfants. Alors, dans la campagne ou dans les campagnes, donc on va dire dans des endroits éventuellement un petit peu isolés. Et donc, eh bien, on nous cache des choses par rapport aux enfants. Donc, reprenons. On nous cache des questions en relation avec la criminalité. Des choses qui sont certainement des affaires de mœurs ou des trafics, que sais-je. Hein. Des choses par rapport à la sursang, bon, mais ça, c'est clair. Et des choses par rapport à des enfants. Bon. Donc, il y a vraiment pôles, plusieurs thèmes. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. En tout cas, vous voyez que ce jeu est très bien sorti, je trouve. Hein. Et qu'il est aussi très agréable. Moi, qui suis une grande visuelle, et je trouve qu'il est très agréable à l'œil. OK. Alors, on va remettre ici une carte. Ici, évidemment, il y a des affaires de mœurs. Alors, qui ça concerne, je ne sais pas, on va essayer de voir. Et ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Écoutez, franchement, j'ai pas fait exprès, mais bon, en disant qu'il y avait des certaines populations qui étaient concernées, il fallait éviter de faire de la polémique. Qu'est-ce que je sors? Moi, je sors ça. Hein. Voilà, agression, culture, religion. Bon, voilà, tout est dit. Et donc, si on savait tout ce qu'on nous cache par rapport à ça, eh bien, ça nous briserait le cœur. Et ça veut dire aussi, et ça c'est autre chose qui vient de venir en tête, qu'il y a une séparation aussi dans la population à ce niveau-là. Alors, je vous dis, j'ai jamais fait de vidéo à ce sujet-là parce que c'est un sujet brûlant, on va dire. Il faut faire très très attention à ce qu'on dit. Hein. Mais je peux vous dire que je suis à 100% convaincue que ça va grandement dégénérer en France à ce niveau-là. Alors plutôt ce niveau-là. C'est pas celui-là, hein. C'est celui-ci qui m'embête. Vous savez de quel pays ou plutôt quelle religion ceci représente, d'accord? Et là, ceux-là, ils vont avoir des gros, gros problèmes. Hein, pensez à Notre-Dame, ça vous dira déjà tout ce que je n'ose pas vous dire de façon, comment dire, directe, parce qu'il y a encore une fois à faire attention. Bon, donc là, je crois que c'est clair. Division, séparation dans la population, chagrin provoqué par des vols et des agressions en relation avec ceci et ceci. Bien. Donc ça, on nous le cache. Ben moi, je vous le révèle. Voilà. Merci, Amandine. Ici, esprit. Alors là, c'est la psyché. Donc, psyché, ça me rappelle des choses qui sont de l'ordre de l'obsession. Obsession, à ce niveau-là, vous avez compris. Bon. Et ça, c'est secret. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ben, je dirais bien qu'il y a des... on va dire ça comme ça. Attendez. Voilà. Alors, ceux qui écoutent uniquement avec les oreillettes, vous n'allez pas comprendre si vous ne regardez pas la vidéo. Voilà. Donc, ceci en relation avec ceci, C-U-L-T, à la fin, vous rajoutez E-S. OK. Et ensuite, vous rajoutez S-A-T-A, etc., IC. D'accord? Bon. Moi, je pense que c'est ça.
Hein, ils sont assez obsédés ces gens-là, hein, je dois dire. Hein. Enfin bref. Ici, fertilité. Donc ça, c'est plutôt les développements, les choses qui fonctionnent. Et donc là, vous voyez, déséquilibre. Bon, bah ça, c'est vraiment le fait qu'on nous empêche de nous développer sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, bah, il y a un déséquilibre à ce niveau-là, parce que c'est logique, hein. Vous avez un discours, on va dire, officiel, et qui nous dit que, justement, un son de cloche, en quelque sorte, hein. Et l'autre, pour contrebalancer, déséquilibre, on nous empêche de nous exprimer. Donc, on nous empêche de développer les relations sociales ou les réseaux sociaux, puisque c'est des communications. Bon. Là aussi, on nous le dit pas, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas à quel point la sursens, dans l'autre sens, s'il vous plaît, est forte. Je crois qu'il y a plein de choses que on zappe parce qu'on n'est pas conscient et consciente du fait qu'il y a vraiment bébé, Big Brother, qui est vraiment là et qui est extrêmement puissant. Encore une fois, pensez à la pauvre nana. Elle a rien fait de mal, que je sache. C'est grave, mais on en est arrivé à un point, mais je sais pas si les gens dans ce pays, je parle pas de vous, hein, je sais que vous vous êtes éclairés, les gens dans le pays ne se rendent pas compte, ne se rendent pas compte. Bon, alors ici, ah bah dites voir, alors franchement, bravo Amandine, d'ailleurs je vais écrire un mail, bravo, parce que son jeu est fantastique, regardez ce que je sors. Travail occulte, campagne, enfant. Voilà ce qu'on nous cache. Bon, bah écoutez les amis, franchement, je suis épatée. Je crois que j'ai utilisé de plus en plus ce petit oracle roi qui a l'air d'être très très bien. Alors, faut dire que ça fait depuis 2-3 jours que je manipule, hein. Bon, donc je m'imprègne. Sachez que si vous vous mettez aux cartes, évidemment, déjà, il faut que le jeu vous plaise. Et celui-ci me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis aussi, il faut le manipuler de façon à ce que le jeu soit vraiment relié et connecté à votre énergie, puisque on est des énergies ambulantes, si vous me passez l'expression, hein. Et donc, il faut vraiment instaurer une espèce de connexion, encore une fois, entre votre jeu et vous. Bon, voilà ce qu'on nous cache. Bon, bah petit tirage, hein. Je vais vous en faire un autre quand même, puisque ça a l'air de bien sortir. Donc, c'est quand même des gros problèmes, hein. L'expression, les choses horribles avec les enfants, les choses, vous avez compris, derrière, voilà, j'allais dire derrière les alcôves, enfin bref, secret, par rapport à des trucs de mœurs, hein, et autres. Des gens qui n'ont que ça en tête, hein, c'est l'esprit, la psyché, voilà. Et ici, eh bien, à mon sens, ça aussi, c'est très grave, hein, très très grave, par rapport à ça, hein. Et ça, on nous le cache, puisque ce n'est pas relié dans les journaux. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire un autre petit tirage. On va s'amuser 2 secondes. Je vais me rebrancher sur notre cher Caligula. On va voir si les qualités de médium de Amandine, qui sont formidables, arrivent à percer le mystère de je ne sais pas comment l'appeler, de cet homme. Oui, bah quand même. Hein. Enfin bon. Ouais, de ce monsieur, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Ah bah tiens, on va demander quels sont ses projets secrets. Allez, là aussi, on va utiliser un petit peu le côté mystérieux. Alors, quels sont les projets secrets de Caligula? Alors, attendez, il est toujours dans sa boîte là-bas. Oui, bah évidemment, les nouveaux abonnés ne comprennent pas ce que je raconte. Oui, alors, attendez, je vais vous montrer, comme ça sera plus simple. Je mets la vidéo sur pause. Alors, je vous montre rapidement pour pas avoir d'ennui, hein, d'accord? Voilà, ça c'est dans ma petite boîte, les affreux qui nous ont fait tellement souffrir. Ils sont toujours dans ma boîte. Voilà, donc je vous les retire, hein. Donc, quand j'étais en train de dire que je regarde celui qui est dans sa boîte, maintenant, vous comprenez de qui je veux parler. Ouais, bon, c'est de la visualisation, c'est pas méchant. Hein. Donc, ceux qui me traitent de m'affaire de la magie noire, ils peuvent aller se retourner se coucher. Hein. C'est pas moi qui en fais. Hein. Ce sont plutôt ceux qui sont dans la boîte. Hein. Faut pas confondre. Moi, je fais de la visualisation et je demande justice. Justice pour toutes les horreurs commises par ces affreux. Horreur envers la France, le pays que j'aime. Et horreur commise, pardon, horreur commise envers les Français et les Françaises. Voilà. Alors, donc je regarde l'affreux dans sa boîte. Voilà. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous cache ou qu'est-ce qu'il nous prépare. Amandine, merci de m'aider. Ok. Alors, justice et croiser des chemins. Alors, justice et croiser des chemins. Ça peut être lui, hein. Ça peut être lui. Mais ça peut être aussi des choses par rapport à la loi. Bon. Donc, des lois qui va nous faire passer.
voilà, et qui vont entraîner un destin très important pour la France. Je ne sais pas exactement comment il faut le comprendre là, donc on va voir. Alors, que nous cache notre cher... Ah, il y en a deux qui voulaient venir. Donc, ok, que nous cache Caligula? Ses projets à venir, en quelque sorte, hein. Alors, sérénité, ouais. Encore les croisées des chemins, donc décision à prendre ou choix à faire. Relation de couple, alors ça c'est ce qui nous cache. Et déséquilibre. Alors, il nous cache des choses à ce niveau-là. Bon, on va essayer de creuser un peu, hein, d'accord? Parce que là, il peut y avoir plusieurs interprétations. Ou alors, c'est vrai que j'ai pas fait de l'autre côté, c'était pas nécessaire, mais on peut voir aussi là et là. On peut faire comme ça. Donc, sérénité et déséquilibre. Donc, ça voudrait dire éventuellement qu'il n'est pas aussi tranquille que ça, par exemple. Et croiser des chemins, relation de couple, ça peut être vraiment son couple. Mais Amandine disait que c'est pas forcément les relations de couple, hein. Ça peut être aussi les questions de partenariat ou les associations. Bon. Ok. Bon, on va les creuser. Alors, qu'est-ce qui nous cache? Qu'est-ce qui nous prépare? Voilà. Tribunal, hein, il y a bien des histoires. Alors, animal, elle disait qu'en fait, c'était un petit peu tout ce qui était... alors, bah, je parle maintenant, mais tout ce qui est un peu de la réserve de l'instinct, quelque part. Hein. Des questions un peu instinctives, ok. Ou naturelles. Alors, des choses naturelles qui sont en déséquilibre. Donc, rompre un équilibre naturel, par exemple. Ça peut être aussi des questions de nature, mais normalement, elle a une carte pour ça. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt les questions de la nature. Donc, sa nature qui serait déséquilibrée, par exemple. Ça me fait penser à ça, moi. Ah, par contre, donc ça, cette carte-là, ces deux-là, ils iraient ensemble. La sérénité et tribunal, il faut vraiment que je creuse encore. Entraide, générosité, croisée des chemins, secret, décidément. Ouais, bon, par contre, là, il y a un truc qui se comprend facilement, hein. Alors, ce qui nous cache ou ce qui nous prépare? Ce qui nous cache, c'est vraiment ça. Relation de couple, secret. Bon, ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que il est, comment dirais-je? Il aime pas les femmes, voilà. On va dire ça comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est secret, parce que plein de gens sont encore persuadés que Bribri ou que Bribri est Bribri. Alors comment nous on sait que c'est Bribiche, d'accord? On se comprend, hein? Bien. Donc ça, c'est secret. Alors, c'est pas ce qui nous prépare, c'est ce qui nous cache. D'accord. Ce qui nous cache, ça peut être aussi un déséquilibre. Moi, j'ai envie de dire par rapport à sa nature. Parce que ça, c'est le côté aussi instinctif, c'est le côté... comment dire? Ah, c'est pas facile à comprendre cette carte-là, mais c'est le côté naturel, je crois que c'est ce qu'elle disait. Hein. Tout ce qui est des dons naturels aussi. Il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Donc, je dirais qu'il a changé sa nature quelque part. Je sais pas pourquoi, ça me vient comme ça. Alors, peut-être qu'Amandine regardera le tirage et elle se dira, non, mais Maddy, elle a rien compris. C'est possible aussi, mais bon, c'est vrai que cette carte-là, j'ai un doute. Les restes, ça va. Ici, je croisais des chemins entraide. Là, on va regarder aussi parce qu'il n'est pas vraiment dans la générosité, hein, ce gars-là. Hein. Bon, ok. Alors, bon, là, on a compris. Peut-être pas besoin de retourner. Ouais, si, allez, on va s'amuser, on va les recouvrir. Par contre, je vois pas trop. Qu'est-ce qui nous prépare et qu'est-ce qui nous cache? Qu'est-ce qui nous prépare? Qu'est-ce qui nous cache? Qu'est-ce qui nous prépare? Qu'est-ce qui nous cache? Ok. Alors ici, le temps. Ouais, donc il y a des choses qui durent. D'accord. Alors c'est soit le retard, soit les choses qui durent. Donc là, moi j'ai envie de dire qu'il y a des choses quand même qui pourraient être... alors, est-ce que ce serait éventuellement une punition? La punition, c'est-à-dire qu'il passerait quand même tôt ou tard devant un tribunal. Alors, pourtant, ça ne correspond pas à ce que j'ai demandé, parce que j'avais dit qu'est-ce qui prépare et qu'est-ce qui nous cache. Hein, je ne suis pas sûre. On ira remettre encore une carte. C'est... J'ai un doute là. Okay. Bon. Ici, commerce. Ouais, d'accord. Là, par contre, c'est déjà un peu plus clair. Bon. Là, en fait, il y a des décisions qui vont être prises, qui vont, comment dire, montrer une supposée entraide. Par rapport au commerce, hein. Elle disait bien aussi dans sa vidéo de présentation, Amandine, que c'était pas forcément une vraie entraide ou une vraie générosité, que c'était parfois pour faire comme si. Voilà. Donc pour moi, cette entraide et cette générosité par rapport au commerce,
Il va y avoir certainement des décisions à ce niveau-là. C'est de l'hypocrisie. Il ne peut pas en être autrement en ce qui le concerne. Hein. Parce qu'en fait, on sait très bien que c'est l'inverse qu'il veut faire. Il veut les couler, hein, ceux-là. Il veut les couler, il veut les détruire. Mais il peut très bien comment dire, agir comme s'il voulait les aider. Bon, enfin bref. Ici, campagne. Oui, bon, bah écoutez, ils vont faire leurs petits trucs dans des endroits isolés, hein, je pense. Hein. Dans des endroits où on ne peut pas les voir ou les filmer. Enfin bref, quelque chose comme ça. Hein. Et ici, technologie. Ah ouais, ça c'est drôle. Je m'attendais pas à sortir ça. Technologie. Ouais, bah là, écoutez les amis, je sais qu'il y en a beaucoup, il y a plusieurs mois de ça, qui m'avaient parlé du projet MK, voilà. Vous savez quoi? Enfin, je pense que vous savez de quoi je parle. UL, non? TRA? Ouais. Bon, enfin bref. Je sais pas pourquoi, moi, ça me fait penser à ça. Hein, c'est ça, avec des moyens technologiques, hein, des moyens, on va dire, en relation avec les machines, ou des connaissances scientifiques qui changent la nature d'une personne. Hein, il y a un truc comme ça. Et ça, il nous le cache. Donc, ça veut dire qu'il a été créé, quoi. Il a été créé un petit peu artificiellement. Alors après, il y en a, c'est comme si je les entendais qui vont dire, ouais, mais m'a dit, c'est un clone. Bah, je sais pas si c'est un clone. Est-ce qu'on a la technologie pour faire des clones? Je crois pas, hein. Ou alors, si on est en relation avec les galactiques, les extraterrestres ou que sais-je, qui sont des entités, en fait, extrêmement néfastes et mauvaises et maléfiques, c'est possible, puisque par rapport à un autre domaine qui s'appelle la pic-pic, on va dire, moi, je suis persuadée que ce ne sont pas des connaissances ou des connaissances complètement humaines. J'ai pas l'impression. En sachant ce qu'il y a dedans, et ce qu'il y a dedans, c'est ça. Je dirais qu'il y a une aide extérieure. Enfin bref, on va refermer la parenthèse. Bon, en tout cas, il y a un déséquilibre naturel ici, par rapport à sa nature profonde, qui a été faite grâce à la technologie. Et ça, c'est caché. Ces relations de couple, c'est caché aussi. Ce qui nous prépare, en fait, c'est vraiment des fausses aides pour les commerces, d'accord? Donc ça va arriver. Et alors là, on va regarder, parce que là, tribunal, je sais pas trop comment... Enfin, tribunal, je sais ce que c'est, mais... Ah oui, elle disait aussi que ça pouvait être éventuellement des institutions, ouais. Comme genre Assemblée nationale, ça ressemble un peu à ça, hein. Qui sont faits pour durer. Ouais, ok. D'accord, bah tiens, on va regarder là. Bah, il veut changer la France, hein. Il veut en faire... enfin bref, il veut en faire quoi? Bah, il veut en faire un no man's land, hein, un désert, quoi. Dans lesquels il y aurait plus de français, mais il y aurait des mélanges. Voilà. Bon. Ok, bah, on va regarder si c'est ça alors. Parce que là, c'était plutôt ses projets. Et ce serait pour durer. Bah écoutez, voilà, hein, grande distance. Ça veut dire aussi que quelque part, c'est en relation avec, on va dire certainement l'Ouest. Voilà. L'Ouest, hein, air lointain. Donc là, il y a des ordres qui sont pris là-bas. Certainement. Et ça, c'est dans ses projets. On va continuer encore par là, si vous voulez bien. Oups. Esthétisme. Ok. Donc ça, c'est les apparences, un petit peu. Les apparences, ouais. Médecine. Donc il y a des choses aussi en relation avec la médecine. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire avec les apparences et la médecine? Apparence et médecine. Donc ce serait en fait... apparence, donc une espèce de médecine, une médecine en apparence, ouais, une fausse médecine, puisqu'il y a des choses médicales, hein, qu'il va mettre en place. Hein. Je l'avais sorti dans un autre tirage et puis je vous ai pas posté le tirage. Bon, bah, écoutez, je poste pas tout, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le système médical va changer. Ça, je l'avais déjà sorti. Je me souviens alors il y a longtemps, hein, je vous avais dit qu'en fait, il y aurait certainement comment dire. Des trucs techniques, genre robots, je sais pas quoi, qui allaient remplacer les médecins, enfin bref. Ça me fait penser à ça, moi, une apparence de médecine. Voilà, changement. Bon. Changement, alors, ce qui nous cache, ce qui est en projet, c'est des choses très très importantes au niveau de la médecine. La médecine, les hôpitaux, très certainement. Ok. D'accord. Et ça passera par des lois. Donc un remaniement du système médical, c'est ce que j'essaie de vous dire, hein. Et là, et encore une fois, il prend ses ordres très loin. Voilà, du côté de l'ouest. Bien. On va regarder un peu pour les commerces. Ben voilà, voilà l'agression. Donc les commerces vont disparaître. Hein. Enfin, je sais qu'il y a une carte de disparition, mais là,
C'est aussi le fait que... alors, vol, agression. Ça fait penser à des vols, bah, vols d'argent carrément, hein, donc les vider de leurs ressources. Négatif, oui, non, mais c'est négatif. Bon, donc ce monsieur va mettre en place des fausses aides pour les commerces, qui en fait vont aboutir au contraire à les voler, ces fameux commerces. Et de toute façon, ce sera très négatif. Bon. Donc, il va falloir ne pas se laisser aveugler par la poudre aux yeux qu'il va encore vouloir nous lancer, puisque c'est un grand manipulateur. D'ailleurs, on ira regarder après. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Des choses qui sont faites pour durer. Ouais, bah. Ouais, donc ça, vraiment, il va vraiment trahir tout le système. Ah, mais alors, attendez, parce que là, il y a un incident ou un accident, ouais. Par rapport à l'État. Ah, je sens qu'on va les regarder. Alors, là, le jeu est en train de partir dans autre chose. Alors, si vous voulez bien voir faire un jeu, bon, vous avez compris, hein, je vous fais pas. On va regarder, on va essayer de voir s'il peut lui arriver des trucs, des bricoles. Allez.